Et bonjour les amis pour cette nouvelle journée à Séoul. Alors écoutez, aujourd'hui il fait un peu gris, normalement il risque de se mettre à pleuvoir, donc ça va compromettre un petit peu ce qu'on devait faire aujourd'hui. Du coup là on va aller dans un grand centre commercial, un des plus grands je crois, il s'appelle le Coex. Il y a pas mal de choses à faire, normalement il y a un aquarium et près de ce centre commercial il y a pas mal d'activités aussi, il y a un temple, un grand temple bouddhiste. Donc voilà, donc on devrait pas s'ennuyer quand même. Et voilà, et ensuite pour la suite on avisera. Une petite idée bien sympa. C'est quoi ces immeubles? T'as vu tout ça? Le numéro et tout, t'as vu? Donc voilà, on vient d'arriver, on vient de faire à peu près 3 quarts d'heure de métro. Et là voilà, le gros centre commercialier est là, de l'autre côté. On voit pas bien là. Et voilà, première mission, bah, c'est de manger parce qu'on n'a pas encore pris notre petit déj. Estgate. Bon, j'espère qu'on peut manger au moins ici. C'est même pas sûr. Je sais pas, sûrement. On peut manger partout encore. Ouais. Oh. T'as vu? C'est la place. Ouais. Centre commercial de bonhomme. D'accord, où est-ce qu'on est tombé encore? Où est-ce qu'on est? Bon, on a trouvé que ça, hein, parce qu'on avait trop faim, on a pas le temps de chercher. Voilà notre petit déj. Bon, ça va pas être là qu'on doit aller. Ça y est, on a trouvé en fait. C'était au sous-sol, il fallait descendre. Il y a plein de boutiques. Tu vois, et en plus, par là, il y a plein de trucs qu'on peut manger. C'est très très joli, Pat. Plein de trucs là. On va aller voir là-bas. Eh, pas mal hein. Concrètement, j'ai pas vu beaucoup de Coréens taillés comme ça. Non, il n'y en avait pas beaucoup. Bon alors, dans le Coex, ce qu'il y a de bien, je le savais déjà avant de venir et ça m'a motivé un peu plus, c'est qu'il y a un super aquarium. T'as vu? Ouais. Coex Aquarium. Des boîtes lui, non? Bon, j'espère que ça vous plaît les poissons. Hein. En tout cas, le décor, génial. Bon, ils sont pas très jolis, mais... c'est pas de leur faute aussi. C'est pour manger cela, non? Il y a des embouteillages un peu des fois, hein, même dans les aquariums. Hein. Bon, t'as vu, oui, bordel! Ah, c'est lui, il n'arrange pas! Ah, il a changé là! Ah. Des fois, il part dans des délires, je peux pas le suivre. C'est pas possible. Je sais pas pourquoi tu dis des trucs comme ça des fois. Ouais, non, arrête, c'est bon, c'est bon! Les poissons, ça nage normalement. Ah, bah là, ça va pas. Allez! Oui, il fait la sieste. Hein? Ok. Je ne te filme plus. Va voir les aquariums plus loin. Les poissons ils sortent en boîte ici. Bon là c'est plutôt le rouge en fait. On va passer. J'ai encore plus original. J'ai une cabine téléphonique aquarium. Ça fallait le faire. Ouais moi aussi je vais appeler, moi aussi, ouais moi aussi. Ils sont pleins hein. Il est en forme aujourd'hui, je vous dis pas, il est vraiment en forme. Ça donne? Pousse-toi. Bon, je suis pas là, mec. Oh my god. Bon, comment il est arrivé là, lui? Au secours! Lui, à mon avis, c'est... ici c'est la punition, c'est d'accord? C'est la punition du poisson rouge. Ce poisson, il a fait une connerie, ok, toi tu vas aux chiottes. Mais il est beau cet écureuil? Carrément. C'est beau cet écureuil. Carrément. C'est Scrat dans l'âge des glaces, vous savez? C'est lui. Là, il y a le gland, là, juste en dessous. Où est la Batmobile? Tu veux pas aller plus loin, s'il te plaît, que je puisse filmer tranquillement? Vas-y. Ah, voilà, c'est bien. Vous voyez, là, on peut voir des chauves-souris. Super, reportage animalier, quoi. Des boîtes ce décor, franchement. Ah mince, wow. Quand ils font les trucs ici, ils les font super bien. Super bien. Ouais. C'est vrai. C'est des tortues dinosaures. Vous avez vu? Des tortues.
Ça y est. Mais là. Putain, la tronche quoi. Et la gueule éclatée. Ça, c'est pas un gros poisson. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je bronze, ok? Laissez-moi tranquille. Excusez-moi. T'as pas l'impression qu'il y avait déjà ma caméra là? Waouh, bien. Oui, salut, oui, oui. Bonjour. Oui. Oh merde. Oh regarde, ça fait un cœur. Ah, ça fait un cœur, c'est Mimi, regarde. Ouais, y'a plein de petits néons. Non, en fait, ils font le manège ici. Ah, les gars, on tourne, on fait du courant, on fait la toupie. Ouais. Ah. Quoi? Ah, des fois, c'est toi hein, qui perd le nord. Je sais pas. Je trouvais ça. Lui? Concrètement. Je sais pas ce que j'ai avec ce mot. Concrètement, et... concrètement. Hein? Je suis flippé, non? Vous voulez lui faire un bisou à lui? Pas moi. Encore une torsion en plein milieu. Malade. Sors de là, sors vite! C'est pour ça qu'elle bouge pas. Peut-être si je bouge pas, ils me verront pas. Vas-y, si je bouge, je suis mort. Je suis dans la merde. Ouais, vas-y, nage, vas-y! Excellent. Ouais, t'as vu? Trop fort quoi. Et là, vous avez des loutres. Elle m'a dit coucou elle. Ah ouais, d'accord. Il y a un crocodile quoi. Il y a un petit poisson. Il s'est mis dans la merde tout seul. Je peux plus bouger, qu'est-ce que je fais. Si, une vraie blanche s'il te plaît. Il y a des requins. Comme elle est belle. Oh, le bassin il est exceptionnel quoi. Hein? Waouh. Là il y a de la couleur. Regarde-moi. Et là, wow. Il y en a pas aussi, mais après. Voilà. Une barrière de corail. De la bombe. Ah, il vient vraiment me faire coucou, l'arrêt. Magnifique. Il est pas un peu énorme, lui? Lui... Concrètement, lui. Il est énorme. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais il est concrètement énorme. La taille de celle-là. Ah, mais c'est n'importe quoi là. Oh, c'est les éléphants de mer qui mangent la salade. Gars, excellent. Les gars, on fait un aquarium, il faut des poissons. Allez, prends tout ce que t'as. Tu m'as filé, c'est bon, tu vas marre. C'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Tu vas les bouffer. Y'en a qui connaissent ce poisson? C'est un mélange de requins et raies. Et de dinosaures. Ah, ils sont sympas, ils ont mis un peu d'anglais. C'est le Bowmouth Guitarfish. C'est le poisson guitare de la bouche. En traduction littérale. Allez, on fait l'inventaire, les gars. Ok? Bougez pas, stop, 2 secondes, je compte. Putain, t'as l'impression qu'il est là quoi. T'as vu? Excellent. Ah, c'est lui. Wow. On dirait des créatures d'un autre monde quoi. Ouais, celles-là sont trop mimi. Et Puni, il va au coin. Elle te plaît? Ouais, pardon. Tu la veux? Ouais, écoutez, on a passé un super moment. L'aquarium, on s'y attendait pas à ce que ça soit aussi grand dedans qu'il y ait autant de choses. Donc vraiment des super décors, donc à faire, c'était vraiment sympa. Et maintenant, il est 18h30, tout juste. Donc on va partir faire autre chose. Ok, bon, on est dans le métro. Ah, mais n'importe quoi. Ah oui, on a une note là-bas. Il faut qu'on trouve la sortie. Et nous voilà, Lotte World. Et voilà, nous sommes dans le Disneyland de Séoul. Ouais. Excellent. Voilà. Vous voulez une patinoire? Ça, c'est une patinoire. Ça, c'est une patinoire. Oh, t'as vu le décor là-bas? Je veux faire le truc là-bas dans le décor.
c'est joli. Ça claque. J'ai pas la gueule comme elle attend, mais... Oh, on est dans une Jeep. Ça descend là. En fait, ils ont fait des photos pendant le truc et moi je suis là avec ma caméra, vous voyez. Voilà, bah là on est en train de chercher un autre manège qui est avec un peu plus de sensation. Pas mal. Bah, maintenant que la nuit est tombée, c'est vachement plus beau encore dedans. Donc voilà, donc on va faire le manège et là on s'est mis devant. Voilà, donc là j'aurai une bonne vue. Ah voilà, c'est bon. C'est bon. Là. Là ça monte hein. Ah tu peux pas plus haut là. Là tu vas plus haut, tu tapes le plafond. C'est trop bien. Oh putain. Excellent. Ok. Voilà. Si tu dormais, là, t'es réveillé. C'est que nous on est venu un peu tard, on est venu vers 19h30 et ça fermait à 22h, donc on a juste le temps de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ce petit complexe. Mais sinon tout le parc il continue dehors et il y a plusieurs trucs dehors. Donc aujourd'hui on va juste faire un tour rapide dehors. Et voilà, dans le petit château. Oh là aussi un château. Bon. Allez, on va rentrer dans le Magic Castle. Bon. Non, concrètement, c'est à chaque personne. Ah bon? D'accord, voilà, ça... Voilà, faut toujours qu'on soit les derniers en fait. Y'a vraiment plus personne là. Parc, on est tout seul dedans, c'est pas où la sortie. Et bonsoir les amis. Alors concrètement, ouais, encore aujourd'hui on a passé une journée exceptionnelle sur Séoul. Ce matin il faisait pas beau, on avait peur qu'il pleuve, donc du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. On m'avait parlé du centre commercial, le COEX, on m'avait dit qu'il y aurait des choses à faire, donc... Allons-y pour ça. J'ai vu sur la carte pas loin une sorte de petit Disneyland. On va aller voir. Et finalement, on a passé une journée pleine de surprises comme d'habitude. Donc, encore une super journée sur Séoul. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, moi, j'espère que demain il va faire beau parce qu'on a encore pas mal de choses à faire sous le soleil. Des belles visites, des beaux trucs à voir. Donc, voilà, moi je vous dis à demain. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit.
et je vous souhaite plein de bonnes choses. Hasta la vista! Et voilà, c'est parti pour deux petites heures de vélo. Et on va longer tout ce fleuve le plus longtemps qu'on peut. Voilà.